Salut, moi c'est Quentin, je suis le CEO et cofondateur de Mendo. Salut, moi c'est Alexandre, je suis le CTO et le cofondateur de Mendo. Il y a 2 ans, quand j'étais en banque d'affaires, je passais à peu près 90% de mon temps sur Excel et ma productivité était presque totalement définie par à quel point j'utilisais bien cet outil. Lors de mon apprentissage, j'avais imprimé des feuilles PDF de différentes formules, de raccourcis pour aller plus vite. Et je me suis dit, quand je regardais mes collègues, que c'était vraiment une manière inefficace d'apprendre sur un outil qui est vraiment très utilisé partout dans le monde. Et c'est un fait, aujourd'hui, il y a plus de 500 millions d'utilisateurs d'Excel et 1 milliard d'utilisateurs de Tableur. Et c'est un marché qui grandit à 5% chaque année sur les 5 prochaines années. Et cette douleur, c'est pas seulement moi qui l'ai ressentie, c'est tous les utilisateurs d'Excel. Il y a 30% du temps qui est passé sur cet outil en moyenne, donc avec des gens qui passent jusqu'à 80% de leur temps. Une personne sur 3 qui reproche à son employeur de ne pas avoir assez de support sur Excel. Et 50% des personnes qui se diraient plus motivées si elles avaient un meilleur accompagnement sur l'outil. Mendo, et en fait, c'est aussi parce que la manière dont les gens apprennent a changé. Aujourd'hui, on apprend davantage sur le moment et on attend aussi à ce que les employés ont plus de soutien de leur employeur sur le côté formation. Tout cela s'inscrit dans la formation en continu. Et du coup, effectivement, on le ressent bien parce qu'au niveau de la population, il y a un nouveau genre d'influenceurs qui est apparu, ce sont les influenceurs Excel, avec des millions de vues et de followers. Donc ce qu'on a voulu créer autour de Mendo, c'est une expérience intégrée au Tableur. Donc ça, c'est le produit qu'on a créé. Vous pouvez voir, il s'intègre à l'intérieur d'Excel. Et la première chose sur laquelle on s'est concentré, c'est créer des parcours de leçons et d'exercices qui étaient très courts et qui nous permet de mettre en pratique des concepts pour les apprendre très rapidement et qu'on puisse ensuite les utiliser dans notre travail. En parallèle de cela, on s'est aussi rendu compte qu'un moyen très puissant d'apprendre, c'est lorsqu'une personne venait derrière vous quand vous travaillez et allait vous donner un conseil sur votre travail pour vous faire gagner du temps. Et on a voulu répliquer ça avec Mendo en donnant des suggestions de manière temporelle dans le travail pour faire gagner du temps aux utilisateurs. Et finalement, on a aussi intégré ChatGPT à l'intérieur de notre outil, ce qui permet de créer des formules et ce qui permet de répliquer un peu ce côté coaching, ce côté humain. Donc les personnes peuvent écrire leurs questions et on va leur créer la bonne formule pour répondre à leurs problèmes.